Il a une centaine de mètres d'avance. Le port de l'équipe qui, rappelons-le, avait terminé 3e de Paris-Roubaix. Il était 6e au Tour des Flandres. Il a été l'un des meilleurs poursuiteurs, disputant d'ailleurs plusieurs fois le championnat du monde. Seconden. 2,3 kilometer volgens mij. Superbe finale en effet pour Nicky Terpstra. C'est sa 7e participation sur Paris-Roubaix, 3e place. 10 secondes. 10 secondes nu. C'est quelqu'un qui sait comment se positionner dans une course. Il le montre une nouvelle fois aujourd'hui. Est-ce qu'il pourra tenir la distance? Est-ce que Bonnet va l'avantager sur le final? Il y a combien? Il y a tellement de scénarios possibles. Désormais, est-ce qu'on aura la première victoire allemande depuis Joseph Fischer en 1896? Est-ce qu'il y aura la première victoire britannique? Cancellara fera-t-il partie du groupe des quatre? Bonnet sera-t-il le seul coureur de l'histoire à avoir remporté 5 Paris-Roubaix? Voilà que de questions. Et mesdames et messieurs, les réponses arrivent. Dans de 4 km désormais. Moins de 4 km. 14 secondes. Donc Nicky Terpstra est tellement commandant. 5e et 3e de 3 km nog. Come on! Son avance est passée de 7 à 14 secondes. Assez bien parti pour Nicky Terpstra. Donc installé au commandement, 14 secondes d'avance. Pour se croire qu'il nous vient de Bauerbeek, donc aux Pays-Bas. Il est né en 1984. Il aura 30 ans, donc au mois de mai prochain. Il est passé pro, donc au début, au milieu des années 2000, et aujourd'hui, eh bien, nous le retrouvons installé en tête. On rappelle qu'il a réalisé de superbes performances déjà sur les routes de Paris-Roubaix, 3e, 5e, 17e. Est-ce qu'il envisageait, évidemment, c'est d'aller chercher la victoire et la supériorité numérique des coureurs de la formation Omega Pharma Quick Step, eh bien, peut permettre 3 km 400 de l'arrivée maintenant. L'avancée de 15 secondes, elle peut être fort, mais on sait, si Terpstra est un poursuiteur, il y a quand même 250 km dans les jambes, et Terpstra, arc-bouté, ne sacrifie l'efficacité hostile, le voilà le point de l'équipe, Omega Pharma Quick Step, installé en tête, va-t-il pénétrer seul sur le vélodrome de Roubaix, on compte évidemment 17 secondes pour du public, lorsqu'il arrivera, il y a toujours cette ferme. 2 kilometer. C'est celle du public Terpstra à 3 km de l'arrivée, 17 secondes. 17. 2 kilometer. 2 kilometer. Oh, le que nous retrouvons comme protégé derrière, bien entendu par Tampanen et par Stenek Stivar, lesquels sont prêts à réagir. 2,9 km de l'arrivée. Et il augmente son avance, 18 secondes d'avance. De longue droite. Tenté par le public, on le voit actuellement. Le point de l'équipe Omega Pharma Quickstep. Elle semble bien derrière, bien les deux coureurs Tampanen, accompagné donc de Stenek Stivar, contrôle le fond des poursuivants. On voit Fabian Cancellara qui va s'éloigner. La possibilité d'obtenir donc une nouvelle victoire. Tampanen, lui, ne va pas rouler évidemment sur son partenaire. Come on, Nicky! Omega Pharma Quickstep. Soit ça de la formation, l'équipe dirigée donc par Wilfried Peters aujourd'hui sur Paris-Roubaix, le voilà Nicky Terpstra, le grand des Pays-Bas, installé en tête de l'avance et maintenant d'une vingtaine de secondes par rapport donc au groupe des poursuivants, lequel vous pouvez contrôler étroitement bien évidemment par
Dit is die laatste strook nu al. Hij staat in het publiek, jongen. Ik ga die kant op, ik moet mee.